Et voilà, ça y est, la convention est partie. TV Boudu, Jean-Marc Fechain, nous servons. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. C'est quoi? Le jour du Boudu-Vol. Nous allons chercher le meilleur Boudu-Vol qui organise évidemment la convention. Alors, c'est quoi? C'est un grand jour. Nous allons passer dans chaque commission pour trouver notre Golden Boudu-Vol. C'est parti! Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au premier challenge de ce Golden Boudu-Vol, évidemment. Donc nos bénévoles de bénévoles sont armés tous deux de un petit Tokiwoki. Montrez à la caméra, chacun son Tokiwoki. Le challenge va être, pour voir s'ils ont un peu d'autorité hein, quand même sur leur équipe, si ils sont capables ou non de donner un ordre. Et si cet ordre est immédiatement réalisé ou pas. Je vais décompter de 3 à 0, ils vont allumer le Tokiwoki et à l'attaque, chacun pour sa gueule. C'est 3, 2, 1, top allumage! Le mien ne veut pas s'allumer. C'est mal barré. On y va, on attaque. Babou, écoute-moi s'il te plaît, j'ai envie que tu chantes une chanson tout de suite s'il te plaît. Merci Babou, c'est très important, vraiment. Babou, c'est vraiment urgent, s'il te plaît. Je sais que tu sens super bien, t'es dans une chorale, Babou. Je t'aime, si tu fais ça, t'auras des fruits secs. Il va prendre cher. Non mais Toki, le gars, cause créole, là, fais-moi un truc vite, sinon ça va barber, quoi. Manque d'autorité, certain. Le suspect. Babou, allez, chante, t'as une si belle voix. Attends, est-ce que tu peux venir tout de suite avec, avec de la musique dans le bureau, s'il te plaît? C'est urgent, là. Avec de la musique, avec un solo, avec de la musique, avec... Ok, nous constatons un grand manque d'autorité, donc, chez les Boudu-Vol, des Boudu-Vol. Donc, évidemment, le temps qu'il aurait été imparti est terminé, et c'est la loose. Désolé, messieurs. Bonne journée. Bon courage, je rends l'antenne. Voilà, sous le chapiteau Jean-Marc Deschaine, on poursuit notre recherche du Golden Boudu-Vol, évidemment, et nous sommes ici avec quelle commission représentée, messieurs, dames? Les chapitoyables, c'est passionnant, c'est ça? Des barrières du chapiteau, c'est-à-dire qu'en réalité, ils installent les numéros. Donc, ce que je vais leur demander, je vais leur lancer un top, ils vont avoir 10 secondes pour installer le numéro. C'est le premier numéro de la scène ouverte qui se passe ce soir, évidemment. Pour TV Boudu. 3, 2, 1, top, c'est parti les chapitoyens. Hop. Donc c'est pro. Mais c'est gagné, c'est énorme. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Effectivement, on va devoir, messieurs, dames, et on sent quand même un esprit d'équipe comme ça. Ah, une cohabitation sur scène. C'est magnifique. Nous allons voir le reste des commissions. Et peut-être, les chapitoyables remporteront la mise, évidemment. Marc Deschain pour TV Boudu. Merci, Jean Lantin. Alors, attention. Commission accueil. Je vais m'apprêter à leur demander 20 boudus, laquelle va me les servir le plus rapidement. Bonjour mademoiselle. Bonjour. À l'attention. J'aurais besoin de 20 boudus. Victoire. Oh, bravo. Donc je prends quelques boudus et je m'en vais au bar, évidemment. Je rends l'antenne, merci. Et voilà, de retour, Jean-Marc Fechain, évidemment, pour TV Boudu. Et nous avons enfin trouvé, car il traîne partout, car boulot, la commission déco. Alors comment tu t'appelles?
Je m'appelle Sid. Ah, c'est Sid. Oh, mais c'est mignon comme prénom. Ça n'existe pas. Mais c'est comme non, ça. Parce que quand j'étais petit, en fait. Tiens, mère... caméra. Ah, caméra. Quand j'étais petit, en fait mes parents, ils écoutaient beaucoup Wagner. Et donc, ils m'ont appelé Siegfried. Super énorme. Et les gens, ils comprennent pas Siegfried. Ok, alors, pas si leur fait, Ça, c'est toi qui l'as fait. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Et ça, là, c'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'ai fait, ouais. J'ai bossé sur l'iris un peu. Ah, t'as fait la. Okay. Et pourquoi l'iris? Pourquoi l'iris? C'est une question qu'on se pose. Parce que bon, en fait, au départ, j'étais fan de toupie. Et à force de tourner en rond, je me suis dit, bah, tiens, fais un iris. Parce que l'iris, ça tourne. Non. Et voilà. Ah, ouais. Ah, énorme. Ouais, il y avait un côté quand même. Circulaire. Là, voilà. Oui. Bon, on va rester sur cette note-là. C'était la note déco. Voilà. Ils ont marqué des points. Voilà, tac, point. On a notre gueule. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Ça, c'est moi. C'est moi aussi. Five, c'est moi. Ah ouais. Complètement. Technique, technique. Hop, pirouette. On va boire une bière. Alors, commission déco. Ah, ils sont super. Allez, à bientôt. Je rends l'antenne à Marc Weinstein. Bonjour. Alors, Jean-Marc Weinstein, t'es Boudu. Donc on cherche toujours le Golden Boudu Wall. Donc aujourd'hui, bah, commission bar. Commission bar. Alors, bon, comme dans toutes les commissions, on va lancer un challenge. Alors, en gros, c'est très simple, le challenge. Les gars, on va voir si vous faites bien votre boulot. Alors, le principe, ça va être que je vais vous commander une bière et le premier qui me ramène une pression, il a gagné. C'est bon ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais faire le décompte de 3 à 0. Le décompte de 3 à 0, c'est Golden Boudu Vol, c'est Boudu, ça rigole pas. 3, 2, 1, 0. J'ai perdu, madame. Ah non, moi je... Ah, c'est peut-être elle qui est en train de gagner. Ouais, moi je joue pour le Golden Globe de Boudou. Là, je me fais pas avoir dans des jeux à la con. Voilà, le Boudu avant la pierre. Superbe. Ah, voilà, allez, équipe, qui se fait avoir. Très bon. Donc, effectivement, évidemment, c'est quoi votre prénom, mademoiselle? Il faut donner quoi à Boudu, au moins, pour avoir une bière? Désolé, vous avez perdu. À votre santé, à la bonne botte, Jean-Marc Weinstein, je rends l'antenne.